Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un jouet à sa taille? Allez, va chercher. Tu l'aimes bien ta corde? Bah oui. Et mon gars, toi aussi tu veux une corde? Hop, la petite corde! T'en veux pas de la corde? C'est nul une corde! Non, toi je sais ce que tu veux. Oh. Bah oui! Bah oui, mon gars, tout. Vous êtes prêts à le voir disparaître? Il est parti! Bonsoir à tous, on part aujourd'hui pour une redécouverte. Oui, je dis une redécouverte parce que Crash Bandicoot, on connaît. On connaît parce qu'on est des années 90, parce qu'on a connu la PlayStation 1, parce que ça a été un des premiers jeux en 3D qui était bien fait. Et aujourd'hui, je redécouvre le Crash Bandicoot qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire le troisième. Et je pense qu'on va être agréablement surpris. Pour mes prochaines découvertes, n'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous plaira et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et c'est parti! Crash Bandicoot Warped! Warped! Yes, j'aime bien l'histoire. Ah, le bon yo-yo. Le bon yo-yo des années 90. Ouka Ouka est libre. Bon, faut arrêter Ouka Ouka. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Yes. Et toi, du coup, tu dis quoi, toi? Interagir. Tu veux qu'il participe à ton aventure? Non. Allez. Hop là. Yes, une pomme. Waouh, plein de pommes. Un poulet. Un poulet, casse-toi le poulet. Putain, il court trop vite le poulet. Putain, sans déconner, c'est joli. Hein. Il y a un truc là-haut. Il y a pas de truc là-haut. Bon, bah, c'est nul. Une chèvre, tiens. Allez, là, la chèvre, tu dégages. Bouga. Boulbouga. Je me souvenais de Houlaga. Un checkpoint. Yes, le C, c'est le checkpoint. La chèvre, tu dégages. Oh, putain, la vache. Oh, j'ai de la chance hein, sur la chèvre. Oh, d'accord. Oh. Ah, ok, j'ai voulu m'occuper de la chèvre, du coup la boîte c'est devenu un truc de métal que je peux plus jamais rien faire avec. Un crapaud, on va lui sauter dessus. Hop, on te saute dessus, voilà. Oh là là, attention, voilà, toi tu dégages. Tiens, boulbouga. C'est quoi ça? C'est un passage secret? Bah les gars, il est en plein milieu du chemin, c'est pas très secret. Voilà, bonus, ok, on prend les pommes. J'aurais pas dû le casser. Voilà, ça fait des vies, c'est cool. C'était le petit monde bonus. Boing, boing, boing. Ça fait pas les casser. Si tu les casses, t'as plus accès aux pommes. Oh, un cristaux. C'est bien ça. Est-ce qu'on va avoir toutes les caisses? Bah non, du coup, il m'en manque une de caisse. Celle qui s'est transformée en métal, on l'a pas eu du coup. Tout ça à cause d'une chèvre. Under pressure. Attention! Putain, le bâtard. Hop, on passe. Non. Ah merde, ça me tue quand même. Putain, j'ai perdu mes deux masques du coup. C'est quoi ça? Ah, c'est un petit vaisseau. Oh, un petit vaisseau qui jette des torpilles. C'est cool ça. Ouais, le petit vaisseau, ça passe tout seul. Hein. Ah, le cristal, le cristal. Le diamant. Ça y est, j'ai le diamant parce que j'ai toutes les caisses. Voilà, on est content. Hop, on sort le cristal du cul. Orient Express. Ah, ça va être cool ça. Ah. Le pauvre Crash, il s'est pris le sol. On va être sur un petit tigre, yes. Ouais, c'est parti. On fait les caisses. Yes. Oh là là. Faut pas toucher le dragon. Non, on a dit faut pas toucher le dragon. Bah ouais. Oh, c'est mignon. Facile. Hop là, facile. Oh là là. Oh, on saute pas là, c'est facile. Oh, j'ai failli tomber. Oh, j'ai loupé 5 caisses. Oh, le petit tigre, il est mignon, moi je l'aime bien. Encore. Facile, hop là, facile. Ah les gars, j'ai l'impression que ça va être vachement moins facile d'un coup. C'est parti. Oh, là, il y a du feu. Oh là, la tronc d'arbre. Oh, j'ai pas pris la caisse. Il y a du feu. Il y a des caisses. Je prends aucune caisse. Putain, on n'a pas beaucoup de temps de réaction en vrai. Hein. Non, tu me toucheras pas. Oups, j'ai envoyé les pommes valser. On peut casser l'herbe, je m'en souviens de ça. Enfin, on pouvait déjà casser l'herbe avant. Toi, je t'ai jeté dessus, toi. Voilà. T'as vu, autour de lui, il y a des bulles. J'arrive pas à voir ce que c'est. Faut pas toucher. On peut sauter dessus quand même ou pas du tout? Non, je crois pas du tout. On va essayer. Je savais. Mais bon, j'avais un masque, j'en ai profité. De toute façon, là, eux, ils me font pas peur, regarde. Hop là. Ah, le petit passage bonus. Yes, on va gagner plein de vie. Voilà, j'ai tout encore. Bon, franchement, jeu pas dur, quoi, en fait. Ça fait quoi, ça? Tiens, on va ramasser. Tac. D'accord. Et voilà, j'ai loupé. Il y a des dinosaures partout dans cet endroit là, c'est pas possible. C'est bon, on marche. Ah! Faire un grand saut. Là. Voilà, j'ai envoyé valser des pommes.
faire. Mais ouais, mais je sais pas quoi faire moi là. Mais oui, mais attends, t'as vu le saut qu'il faut faire? Putain, attends, il va y avoir un grand saut, mais je sais plus quand. Là. Voilà, on a passé le grand saut. Putain. Là, il va y avoir un grand saut. Là, voilà. Wow, là, grand saut. Wouah, c'est passé. Attention, attention, faut pas toucher, faut pas toucher. Putain, là, alors là, je connais plus là. Là, je ne connais plus ce qui suit. Oh putain, bah ben, voilà. J'ai loupé qu'une caisse. Putain, si j'ai loupé qu'une caisse, je suis deg. Allez, dernier. Making Waves. Ah, c'est encore la fille. Ah, putain, si je sais ce que c'est pas mal. Le remaster de ouf, quoi. Ça, c'est un vrai remaster, tu vois. Oh. Accéléré. Wouh. Figure aérienne, attention, ça va être impressionnant. Wouh. Yes. Oh là là. Le cristal. Oh. J'ai loupé le cristal, là, ils sont sérieux. Je préfère, hein. Oh là là, attention, c'est un piège. Oh là là, elle a reculé la bombe, putain, la fourbe. Un piège, ça aussi. Oh là là, putain, on est trop stylé dans le petit jet. C'est vrai qu'en termes de caisse, je suis pas très performant. J'en ai loupé 12. Allez, viens là, le Tiny Tiger. Allez, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ouais. Moi je cours. Là, je te saute dessus. Hop là, attends, c'est trop facile. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, des lions. Ouah. D'accord. Ok, bah alors Tiny il est facile à battre. Par contre les lions c'est pas ça. Putain les lions franchement ça me plaît pas trop moi les lions. Ça me plaît moyen les lions. Les lions moi j'aime pas ça. Non dégagez. Voilà. Ouais on est bien. Voilà, en fait ça passe tout seul. Là. Voilà, trop facile. Putain. Mais des fois je suis bloqué. Des fois je suis carrément bloqué. J'ai évité les lions. Allez, ça va être le dernier coup. Hop là. Non, je l'ai loupé. Me dis pas qu'il renvoie les lions. Non, il renvoie les lions. En fait, ça sert à rien de sauter en vrai. Quoi? Non, mais non. J'étais à côté là, le jeu. Surprise, motherfucker. Faut tout refaire. En fait, c'est ça qui est chiant dans les boss de Crash, c'est qu'il faut tout recommencer. Voilà, putain, tout ça parce que j'ai pas réussi à le sauter tout à l'heure, quoi. Toi, voilà. Mahahaha. Allez, envoie tes lions de pacotille. Hop là, on est pas bien. Oh là, on est pas bien du tout. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va me faire chier. Ah, les Romains, ils font la hola autour, j'avais pas vu, quoi. Genre, la hola, il y a des lions, ouais. Putain, j'aurais pas dû aller là. Mais non. Putain, mais je comprends pas ça, franchement, faut pas déconner. Je vais sauter dessus, là, on l'a vu. Putain, du coup, je me tape les lions pour rien. On tourne en rond. Je m'enfonce complètement. En fait, sur le côté, on est quand même pas mal, hein. Oh, là, c'était un passage lion facile. Oh, putain, les lions, allez. Allez, c'est le dernier. C'est le dernier lion. Ah, pour le dernier, mon rien mieux. Oh putain. Putain, je vais pas te louper cette fois. Allez là. Allez, on jette des tomates. Jette-lui des tomates. Bah on va s'arrêter là. Bah c'était cool. Franchement c'est un remaster qui je pense vaut vraiment le coup. Parce que bah c'est pas juste peaufiner 2-3 trucs et tout. Là c'est vraiment on reprend tout et on refait tout. C'est les remasters que j'aime bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Partagez la vidéo qu'on soit encore un peu plus nombreux à découvrir des choses tous les jours. Ou tous les jours. Tous les samedis une petite vidéo découverte c'est pas mal. Ah oui, les let's play de Dark Souls ne vont pas tarder à revenir. Donc restez à l'affût. Sur ce, je crois que je peux retourner me coucher.